histoire de France, c'est l'histoire d'une fillette, Romy, qui a 9 ans et qui est abusée par une femme, France, sa voisine. C'est l'histoire d'une guerre, la guerre de cette petite fille contre son corps, contre cette femme, contre la vie. Cette petite fille est dans la survie. Et c'est une histoire de guerre de famille parce que son père est militaire, il fait la guerre en Afrique et sa mère est malade, elle fait la guerre contre la maladie. Donc c'est 3 guerres différentes sous le même toit et ça se passe en Lorraine, un territoire de guerre. Ça devait s'appeler une histoire de France parce que je voulais vraiment parler d'un public délaissé, de tous ces invisibles, de ces emmurés également. Donc, et puis c'est dit aux petits soldats inconnus, donc tous ces enfants qui vivent des choses horribles et qui se taisent, qui sont dans ce secret. Donc c'est forcément une histoire de France. Et France, parce que ça ne pouvait pas s'appeler une histoire de Romy, c'est une enfance qui est... C'est une enfance volée d'une petite fille violée. Derrière la femme, on pense à la mère et on n'imagine pas qu'une mère puisse toucher son enfant, mais ça existe. Et puis, l'être humain peut être violent, aussi bien l'homme que la femme. Et c'est important aussi de ne pas l'oublier. La femme aussi peut abuser d'un ou d'une enfant. Cette petite fille est aimée par une femme, ça va forcément l'interroger, enfin elle va s'interroger sur sa sexualité, pourquoi a-t-elle été victime d'une femme, pourquoi une femme l'a-t-elle touchée, et elle en grandissant elle va se poser des questions, est-ce qu'elle aime les femmes, est-ce que finalement elle doit préférer les hommes, est-ce qu'elle aime les deux, enfin ça va forcément perturber tout son avenir et sa question, ses questions sur son identité sexuelle.